Je pense qu'il y a plusieurs livres qui ont changé ma vie, mais il y en a un en particulier. Je crois que c'est Salinger, je crois que c'est Attrape-cœur, parce qu'il me parlait d'une voie qui m'intéressait, parce que c'était d'un seul coup. C'était pas la grande littérature comme on l'expliquait à l'école, donc c'était d'un seul coup des gens qui me parlaient de la vie avec un ton qui était très très particulier. Et je pense qu'à partir du moment où un livre a un ton particulier, ça fait qu'on tombe dans ces livres qui changent votre vie, parce que ça change votre vision du monde. C'est-à-dire que souvent, pour m'amuser, j'essaie d'expliquer que c'est Raymond Carver qui m'a appris à traverser la rue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que quand vous êtes imprégné d'une œuvre, imprégné d'un écrivain, chose toute bête comme traverser la rue, c'est pas la même manière. Vous allez regarder autre chose. Vous allez peut-être pas vous précipiter jusque sur le trottoir d'en face. Vous allez peut-être attendre, je ne sais pas. Mais c'est ça, ça change votre perception du monde. C'est ça, un livre qui change la vie. Ça change votre regard. Et comment on change le regard du lecteur ou même de celui qui écrit, c'est à travers la langue. Et il s'est trouvé que, après d'autres, après Céline, tout ça, Salinger employait une langue et un ton très particulier qui a changé ma vision du monde, oui.